Euh, bonjour à toutes et à tous. Euh, donc euh aborder euh, cette histoire de l'enseignement technique et professionnel donc c'est plutôt une mise en perspective ici évidemment euh, le, le, la visée est pas est pas exhaustive et il m'a semblé intéressant pour euh, pour aborder euh, ce, ce champ qui effectivement est pas forcément euh, celui qui est le plus parcouru y compris euh, en histoire mais je vais y revenir euh, il m'a semblé intéressant d'aborder le cas euh, le cas des acteurs alors je vais expliquer après ce que vous avez, vous avez vu que je, je mets des guillemets acteurs euh, qu'est-ce que qu'est-ce que c'est qu'un acteur hein, dans l'enseignement technique il y a différents euh, statuts finalement euh, je vais essayer de Justement, de, 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 de pluraliser un petit peu tout ça. Euh, en partant de cette idée que l'histoire de l'enseignement technique et professionnel a a d'abord été abordé par les institutions, c'est-à-dire qu'on a essayé de reconstituer finalement toutes ces institutions. Le paysage est complexe historiquement, le réseau d'établissements d'enseignement technique et professionnel a énormément changé au 19e siècle, je ne sais même pas si on peut parler de réseau, sans doute pas. Si on peut parler de réseau actuellement avec les lycées professionnels, avec les sections technologiques des lycées d'enseignement général et technologique, c'est quelque chose de très récent. Finalement, à l'échelle euh, historique sur le XIXe et sur le XXe siècle, et donc euh, les travaux se sont beaucoup intéressés à la généalogie, finalement, de, de ces établissements. Euh, -à dire, euh, il faut essayer de reconstituer ces transformations intenses euh, et ce paysage extrêmement compliqué. Et donc les premiers travaux, me semble-t-il, euh, alors je ne reviens pas sur les travaux pionniers, mais les travaux systématiques ont été des travaux d'inventaire des réalisations au 19e et 20e siècle, euh, essentiellement sous l'impulsion de deux chercheurs dont je, je vous ai reproduit les noms ici, Thérèse Charmasson et euh, Gérard Baudet. Euh, donc des travaux d'inventaire des textes législatifs qui encadraient l'enseignement technique, donc le travail de Thérèse Charmasson en 1987, puis euh, le relais a été pris par euh, Gérard Baudet dans plusieurs publications. Celles de 2004, 2006 et 2007 sont des atlas départementaux, c'est-à-dire que pour chaque département, il a essayé de repérer tout ce qui concerne l'enseignement technique et professionnel. Pour vous donner une idée, euh, pour le département de la Corrèze, on pourrait avoir l'impression que l'enseignement technique dans le département de la Corrèze n'est pas quelque chose d'absolument considérable, ça fait déjà 350 pages, rien que pour recenser les différentes institutions. Donc il y a beaucoup plus de choses que ce qu'on pourrait soupçonner, euh, et ce travail d'inventaire a été absolument essentiel pour donner une visibilité à tout ça, et pour montrer qu'en réalité, derrière un enseignement dont on a plutôt l'impression euh, intuitive, peut-être qu'il n'est pas forcément le plus important en réalité. Derrière, il y a une, une quantité considérable d'institutions, quelquefois euh, qui ont eu une existence pendant quelques mois, quelques années, qui ont pu concerner cinq élèves comme elles ont pu en concerner 2000. Euh, bref, on a là un continent extrêmement euh, large et extrêmement complexe. Il me semble que, euh, une fois ce travail d'inventaire. Euh, engagé, Alors, il a été engagé en partie finalement parce que ces atlas départementaux, pour l'instant, il y en a trois qui ont été publiés. Donc, évidemment, il y a encore euh, beaucoup de travail. Mais euh, il me semble que l'autre enjeu, euh, parallèlement à ces institutions, à cette cartographie euh, de l'histoire de l'enseignement technique, l'autre enjeu, c'est celui de s'intéresser aux acteurs de l'enseignement technique et professionnel, c'est-à-dire euh, bah, les élèves, euh, les personnels qu'il soient de direction, d'inspection, les promoteurs, les responsables, à différentes échelles. Alors je privilégierais ici plutôt le nord de la France, que je connais un peu moins mal, et parce que aussi je ne peux pas aborder l'intégralité du territoire, j'en serais bien incapable d'ailleurs. Mais il me semble qu'il y a là un enjeu tout à fait significatif, parce que évidemment, on sait de à quand une institution a pu fonctionner, quand les archives le permettent, mais encore faut-il savoir exactement ce qu'on y faisait dans ces établissements. Et quelquefois, c'est beaucoup plus compliqué. La particularité, pour aller très très vite, de l'enseignement technique et professionnel historiquement, c'est quelle part on accorde à la pratique. À l'atelier et quelle part on accorde plutôt à ce qu'on a appelé généralement la théorie. Euh, selon la place qu'on accorde à l'un et à l'autre, ben, on a des établissements qui sont vus comme des établissements de formation d'ouvriers, comme, euh, comme des établissements de formation d'ingénieurs, etc. Donc, euh, l'enjeu de, de, de s'intéresser aux acteurs, c'est bien d'essayer de comprendre ce que l'on fait dans ces institutions, euh, comment euh, elles évoluent, euh, etc. Alors, pourquoi s'engager euh, donc dans une recherche euh, autour, euh, autour de ce thème il me semble aussi qu'il faut compliquer un petit peu le paysage, paysage déjà trop simple souvent, quelle est le, le, la représentation qu'on peut avoir généralement C'est l'idée qu'on a là, l'enseignement technique et professionnel, qui serait une filière dominée, une sorte de, de filière de relégation pour les formations. Alors on ne compte plus les publications qui dénoncent cette situation, qui comparent avec d'autres pays, l'Allemagne en particulier, pour dire qu'on est en retard. Euh, encore faut-il creuser un petit peu parce que euh, considérer qu'on est en retard ou que ça ne fonctionne pas bien, euh, c'est euh, une chose. Euh, essayer de savoir pourquoi et euh, essayer de voir si on peut généraliser à ce point, euh, c'en est une autre. Euh, et il faut essayer de, de nuancer le tableau. Oui. Euh, il n'est pas possible, je pense, euh, de rendre compte euh, des réalités du présent sans essayer de comprendre de quelles évolutions... De quel passé au pluriel ces réalités seraient euh, les réalités actuelles seraient au moins l'une des configurations. Et donc c'est bien, euh, euh, bien ici c'est bien ici l'enjeu. Il faut rappeler que cet enseignement technique et professionnel a une longue histoire. Pendant longtemps on a considéré que l'enseignement technique ou l'enseignement professionnel commençait en gros euh, en 1945, éventuellement en 1919 avec une loi extrêmement importante qui s'appelle la loi Astier du nom du député euh, qui a euh, qui avait proposé cette loi avant la Première Guerre mondiale, mais cette loi n'a abouti que juste après euh, la Première. La guerre mondiale. Ce qu'ont montré les travaux d'inventaire que j'ai cités tout à l'heure, c'est qu'en réalité on pouvait remonter au XVIIIe siècle, qu'au XIXe siècle il y avait une extraordinaire floraison d'institutions, souvent petites, souvent très très locales, mais pour autant qui ont bien entendu leur importance. Le XXe siècle se caractérise, pour aller très vite et pour présenter à grands traits pour l'instant, le 20e siècle se caractérise par une croissance sans précédent de cet enseignement, en particulier après 1945, mais alors que les bases ont déjà été données euh, même si elles ont été transformées progressivement, on ne part pas de rien après 1945, loin de là euh, et donc les expériences ont été nombreuses même si le public, le, le nombre d'élèves a toujours été assez limité avant 1945 la grande différence après 1945 et surtout à partir des années 50 et 60 c'est qu'on a un afflux euh, du nombre d'élèves euh, tout à fait considérable donc deux enjeux, enjeux de connaissance de cette histoire pour tenter de cerner ce que j'appellerais les conditions de possibilité du présent, c'est-à-dire que ça, ça ne détermine pas le présent, mais ça le rend possible, euh, euh, sans sous-estimer pour autant le fait que ce soit un passé euh, en partie révolu. Et deuxième enjeu, euh, quelle recherche peut-on mener pour comprendre ces transformations de l'enseignement technique et professionnel Comment on peut procéder pour essayer euh, de, euh, de préciser les contours de, cette, de cet enseignement alors quelles peuvent être les sources euh, Il me semble que dans une séance consacrée à la recherche, il faut aussi présenter un peu ce que peuvent être ces sources, comment on peut essayer d'approcher d'un petit peu plus près ces réalités. J'en ai présenté ici quatre, quatre types de sources, d'abord des sources provenant de l'administration de l'enseignement technique, des dossiers de carrière, de gestion du personnel, la formation, les mutations, les carrières, avec cette particularité qu'on est là dans un domaine qui n'a pas toujours été géré par la même administration. C'est-à-dire que euh, à partir de 1892, c'est le ministère du Commerce et de l'Industrie qui gère l'enseignement technique. À partir de 1920, c'est l'instruction publique. Et du coup, on a perdu plein de dossiers euh, qui ne sont pas passés d'un ministère à l'autre. Donc, on perd des sources à cet endroit-là. Pour l'historien, c'est un matériau absolument euh, indispensable, et ce n'est pas toujours évident de suivre ainsi les, euh, les personnels. Deuxième type de sources, des sources issues des établissements, euh, des documents administratifs, de la publicité des établissements, on a beaucoup de brochures euh, qui euh, sont destinées aux parents, qui sont destinées aux élèves, euh, la correspondance éventuellement, quand on, quand on dispose d'un petit peu euh, de, de, de correspondance de, de ces établissements. Troisième type, des sources issues des élèves et des anciens élèves. Alors ce qu'on a beaucoup, c'est les publications euh, des associations d'anciens élèves, c'est tout à fait... Euh, Considérable avec toute la subjectivité de tout ça. Hein. Une association d'anciens élèves, elle va idéaliser sans doute un peu le passé, elle va le reconstruire, etc. Mais pour autant, il peut y avoir des travaux extrêmement intéressants, bien entendu. Euh, et ces, euh, ces sources issues des élèves et des anciens élèves permettent aussi, ça me semble une des clés, de comprendre le devenir de ces élèves. C'est-à-dire qu'on forme des élèves pour, euh, dans l'enseignement technique et professionnel, mais qu'est-ce qu'ils deviennent Quelle carrière font-ils par exemple, c'est un thème qui a beaucoup intéressé autour des écoles d'arts et métiers. On forme dans les écoles d'arts et métiers qui sont dotées d'un certain prestige en France. Euh, mais qu'est-ce qu'ils deviennent, ces élèves Alors, on, on sait, euh, c'est le cas qui est à peu près le mieux étudié, on sait que dans les écoles d'arts et métiers, il y a eu une élévation euh, progressivement au 19e et au 20e siècle. Hein. On forme des ouvriers au 19e siècle dans les écoles d'arts et métiers. À partir de 1907, on forme des ingénieurs. C'est quand même pas tout à fait la même chose et donc on voit bien qu'on a une institution qui s'est euh, élevée, si j'ose dire, dans ses ambitions euh, de, euh, de formation. Euh, mais ce que l'on sait pour les écoles d'arts et métiers, on le sait beaucoup moins. Pour d'autres écoles, on a beaucoup moins d'informations. Pour d'autres. Troisième, euh, quatrième pardon, euh, type de source. Bah, quand ils existent, les papiers personnels, les souvenirs de personnels, de responsables, de promoteurs, qu'il s'agisse de, de personnes individuelles ou de groupes euh, qui ont pu laisser euh, des papiers euh, dans ce domaine. Alors il y a sans doute d'autres documents. Je vais vous présenter euh, dans la, la troisième partie de mon propos euh, un type de document euh, qui me semble particulièrement intéressant à étudier, mais je laisse un petit peu de suspense euh, avant de, de vous dévoiler ce document. Euh, en tout cas, ce travail sur sur archives euh, est évidemment une entreprise de longue haleine, est évidemment une entreprise collective aussi, c'est-à-dire que euh, un chercheur tout seul sur le devenir, par exemple, actuellement sur les anciens élèves, on est en train de constituer une base de données des anciens élèves des écoles d'arts et métiers. On a 40 000 noms. Alors 40 000 individus à suivre, euh, il y a un ingénieur informaticien qui travaille là-dessus à Lyon, euh, mais c'est un travail considérable euh, et ça prend énormément de temps, donc il faut collecter des informations, euh, mais ça n'a de sens qu'à plusieurs chercheurs, c'est-à-dire que tout seul on ne peut pas faire grand-chose dans ce domaine. Euh, alors je vais essayer de vous, de vous présenter, de dépasser en fait quelques figures légendaires. Parce que sur ces acteurs, on connaît quelques figures légendaires. J'ai développé un tout petit peu le cas des écoles d'arts et métiers, ce n'était pas par hasard. L'une des figures légendaires sur les écoles d'arts et métiers, bah, c'est le fondateur, le duc de la Rochefoucauld-Liancourt. Euh, lui, euh, à la limite, on le connaît relativement bien. De même, les inspecteurs généraux de l'enseignement technique euh, ont fait l'objet d'un travail d'un chercheur qui s'appelle Guy Capla. Alors, travail qui n'a pas été euh, publié, mais qui fait euh, un millier de pages, et on ne désespère pas qu'il le soit un jour. Euh, mais donc, il y a déjà des travaux qui ont été euh, réalisés. Ce que l'on sait peu, par contre, par contraste, c'est qu'on sait peu de choses sur les autres inspecteurs, c'est-à-dire les inspecteurs départementaux, je vais en parler dans un instant, euh, qui sont des bénévoles avant 1945. Alors qu'est-ce que ça veut dire des bénévoles dans l'administration de l'enseignement technique On va le voir. Euh, on sait peu de choses aussi des chefs d'établissement de l'enseignement technique. Alors euh, on sait un petit peu plus de choses sur les années 80, 90 et jusqu'à nos jours, mais euh, auparavant, euh, qui sont-ils Ça, j'en parlerai un peu moins parce qu'il n'y a pas de recherche qui existe pour l'instant sur euh, ces questions. Euh, sur les professeurs, on a là aussi un champ qui est en train d'être exploré et qui, euh, et qui progresse. Enfin, on n'en sait guère plus, sauf exception quant aux élèves, ce qui contraste assez singulièrement avec le nombre des études menées depuis une vingtaine d'années par des sociologues sur les élèves de l'enseignement professionnel. En réalité, ce que l'on voit, c'est que cet intérêt depuis les années 80, notamment depuis les années 70, on ne le retrouve pas historiquement sur les périodes précédentes. Or, c'est aussi intéressant de voir les transformations qui ont pu, qui ont pu se produire. Donc si les travaux se sont, se sont quand même multipliés non, depuis les années 90, euh, rares sont ceux qui tentent de proposer une approche diachronique qui me semble tout à fait nécessaire, hein, essayer de voir dans le temps comment expliquer ces transformations, euh, comment expliquer euh, des transformations qui ont des conséquences directes sur l'institution. Par exemple, aujourd'hui, les professeurs de technologie de collège, euh, auparavant, d'où viennent-ils Comment ont-ils été reconvertis aussi dans les années 80 en fonction des transformations euh, de l'institution alors je vais euh, vous présenter en fait trois chantiers en cours, euh, volontairement trois chantiers euh, inégalement avancés, euh, que je ne mène pas tout seul, hein, loin de là, euh, en essayant à chaque fois de distinguer des évolutions au 19e et au 20e siècle. Un premier chantier, c'est celui des promoteurs, qui encouragent cet enseignement technique et professionnel. Euh, je vais développer un cas, c'est celui des inspecteurs. Euh, un deuxième chantier, c'est celui des formations pour les enseignants de l'enseignement technique et professionnel. Et un dernier chantier, c'est celui des élèves. Euh, mais, encore une fois, hein, c'est vraiment des chantiers. Vous n'aurez pas là le fruit de, de, de travaux absolument définitifs et, euh, et, et publiés tels quels. Euh, donc, promoteur, formation, élève. Une dernière précision, depuis tout à l'heure, je parle d'enseignement technique et professionnel. Cette appellation elle-même, euh, elle demanderait déjà à être critiquée. C'est-à-dire que ce que l'on peut appeler enseignement technique et professionnel, a, euh, on pourrait utiliser plein d'autres notions, plein d'autres termes. Apprentissage, formation professionnelle, enseignement technique, enseignement professionnel, enseignement technologique aujourd'hui aussi. Euh, bref, déjà, employer ces termes, euh, c'est déjà faire un choix. Alors, je prends enseignement technique et professionnel, du coup, au sens large. Pour essayer de désigner en gros les institutions et les formations avisées professionnalisantes, mais euh, vous verrez que selon les, les périodes, j'emploie pas forcément toujours euh, exactement la même expression. En gros, pour faire vite, l'expression enseignement technique, euh, elle a surtout, elle s'est surtout imposée euh, à partir des années 1860 avec le travail d'une commission euh, désignée euh, par, euh, par Napoléon III pour réfléchir. À ces questions. D'ailleurs, il n'est pas inintéressant de constater que cette commission, c'est une commission sur l'enseignement professionnel, enseignement professionnel, j'insiste sur les termes, et euh, qu'elle publie un projet de loi pour l'enseignement technique. Donc en cours de travail, ils ont déjà changé de nom, hein, ce qui montre bien qu aussi il y a une marge d'indéfinition, d'indécision sur tous ces termes qu'on emploie quelquefois alternativement, mais pas toujours. Donc enseignement technique, en gros, a un sens. Euh, me semble-t-il jusqu'aux années, euh, jusqu'au début des années 60. à partir de 1960, on parle plutôt d'enseignement technique et professionnel, voire d'enseignement technologique et professionnel. mais globalement, enseignement technique et professionnel, euh, c'est ce que j'emploie pour essayer de suivre euh, globalement ces, ces formations. alors, premier temps, donc. Euh, quel promoteur pour euh, l'enseignement technique et professionnel? Ici, euh, l'enjeu qui, qui consiste à mieux identifier ces promoteurs, et là aussi j'emploie le terme promoteur de manière euh, trop générale sans doute, euh, c'est lié à la compréhension des motivations qui président au développement de l'enseignement technique. Euh, ce que j'ai essayé de montrer euh, dans, dans quelques travaux, c'est que euh, on ne comprend rien au développement de l'enseignement technique si on considère seulement que c'est parce qu'il y a des changements techniques qu'il y a un enseignement technique. En réalité, les choses sont beaucoup plus compliquées que ça, que ce soit au 19e siècle ou dans la première moitié du 20e siècle. C'est-à-dire que c'est parce qu'il y a des transformations aussi dans le, la, la, le, le point de vue sur ce que ça peut être que la formation technique, mais qui ne sont pas seulement liées à la technique, que l'on a un développement de l'enseignement technique. En d'autres termes, il y a aussi des décisions politiques, des décisions qui sont relatives à des considérations économiques il euh, y a tout un ensemble de choses et aussi des motivations qui sont liées à l'institution scolaire elle-même. C'est-à-dire que euh, si, euh, par exemple, on réfléchit aux écoles primaires supérieures, qui sont les ancêtres des collèges euh, actuels, ces écoles primaires supérieures euh, ont un rôle tout à fait majeur, mais elles se développent tant parce qu'on a absolument le souci de former aux carrières industrielles ou commerciales, mais aussi parce qu'on a des instituteurs qui veulent monter un petit peu en grade et qui vont avoir comme ça un avancement de carrière en enseignant à l'école primaire supérieure, etc., etc. Bref, il y a plein de raisons ici. Il ne faut pas penser que c'est seulement, par exemple, l'industrialisation au 19e siècle qui expliquerait le développement de l'enseignement technique et professionnel. Il y a ici un ensemble de paramètres qui peuvent, qui peuvent l'expliquer. Parmi les raisons internes à l'institution, euh, à l'institution scolaire, eh bien, il y a aussi les décisions des chefs d'établissement ou les décisions des inspecteurs qui encouragent telle ou telle formation, qui considèrent que telle ou telle formation euh, est importante, que telle ou telle formation euh, a un rôle euh, à jouer euh, au plan économique, au plan local aussi euh, important. Alors je vais développer plus précisément le thème, la, la question des inspecteurs. Je vous ai dit deux choses pour l'instant, les inspecteurs, il faut distinguer deux, deux, deux catégories euh, dès les années 1880, les inspecteurs généraux et des inspecteurs départementaux ou régionaux, éventuellement. Euh, donc ces deux catégories-là, la première façon de les différencier, c'est que les inspecteurs généraux sont des fonctionnaires dès les années 1880, alors que les inspecteurs départementaux et régionaux sont des bénévoles. Alors pourquoi des bénévoles euh, ça s'explique assez facilement, c'est que le ministère du Commerce et de l'Industrie veut absolument qu'on crée des formations en fonction des besoins locaux du commerce et de l'industrie. C'est-à-dire que si on a besoin, euh, plutôt, je ne sais pas, dans une région euh, de personnes qui vont travailler dans le textile, pour, pour le nord de la France, par exemple, euh, bah, il faut qu'il euh, qu y ait un lien avec les employeurs, par exemple. Et donc, il faut que ce soit, par exemple, des directeurs d'usines qui puissent euh, apprécier les formations qui puissent décider de leur création, mais aussi décider de la manière dont on va euh, former euh, les futurs euh, ouvriers, contre plutôt d'ailleurs, pour euh, cette industrie. Donc on choisit des bénévoles parce qu'on considère que puisqu'ils sont dans l'activité professionnelle, ils sont plus à même d'identifier euh, les besoins euh, et euh, de valider les formations qui sont délivrées de considérer si telle formation est adaptée à ce que l'on à ce dont on a besoin dans, euh, dans l'industrie. Ça, c'est le, le point de départ. C'est-à-dire que dans les années 1880, on voit très clairement que c'est cette idée qui préside au fait que l'on nomme des inspecteurs départementaux. Alors, il ne faut pas surestimer leur rôle, hein, c'est-à-dire qu'il faut attendre 1911 pour qu'on ait un inspecteur départemental par euh, département. Euh, c'est-à-dire que pendant longtemps, euh, ça reste assez, euh, assez limité. Dans certains départements, on en a beaucoup plus des inspecteurs départementaux. Le nord de la France, le département du Nord, huit inspecteurs départementaux en 1911, alors que d'autres départements en ont un seul et on ne sait pas trop s'il est actif ou pas. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on nomme quelqu'un qu'il est forcément actif hein, en tant qu'inspecteur départemental. Puisqu'il est un bénévole, on ne peut pas exiger de lui euh, qu'il ait une activité euh, tout à fait intense. Mais on voit bien que certains sont très très actifs pour encourager les formations, pour aller visiter, pour aller inspecter euh, ces, euh, ces formations. Donc, des inspecteurs généraux qui sont censés piloter l'ensemble de ce système alors je ne rentre pas dans les détails parce que euh, suivant les établissements, la tutelle institutionnelle euh, peut être assez, assez différente, et des inspecteurs départementaux qui localement doivent essayer de faire correspondre les besoins tels que eux peuvent les apprécier et les formations existantes, éventuellement susciter d'autres formations qui leur paraissent nécessaires pour appuyer telle ou telle activité. Par exemple, les formations au début du XXe siècle, les formations dans le domaine de l'électricité, euh, industrie neuve, industrie dynamique, euh, ben là, les inspecteurs départementaux peuvent avoir un rôle pour les encourager euh, localement. La transformation de leur rôle à ces inspecteurs, elle intervient, euh, à ces inspecteurs départementaux et régionaux, elle intervient en fait dans les années 20, puisque dans les années 20, et c'est important, euh, y compris aujourd'hui, euh, les années 20 créent la taxe d'apprentissage en 1925. Euh, Instrument tout à fait fondamental que cette taxe d'apprentissage, puisque cette taxe d'apprentissage, quel est son rôle Son rôle, c'est de mutualiser les moyens pour développer l'enseignement technique. À quoi elle répond et pourquoi on la conçoit de cette façon Cette taxe d'apprentissage, euh, elle est prélevée sur la masse salariale des entreprises à hauteur de 0,20% euh, de toutes les entreprises, sauf celles qui s'investissent <coughs> déjà dans l'enseignement technique et professionnel. C'est-à-dire que ces entreprises-là ont des exonérations. Parce qu'on considère qu'elle finance déjà une école ou qu'elles forment déjà leur personnel. Pourquoi on crée ce système donc de taxes qui s'impose à toute entreprise et qui peut subir des exonérations Parce que l'un des reproches ou l'une des critiques des employeurs, des industriels par exemple, ou des commerçants, c'est de dire Pourquoi je me fatiguerais à former quelqu'un si je le forme et qu'une fois que j'ai fini de le former, il s'en va chez mon concurrent qui n'a formé personne euh, c'est une critique qu'on retrouve aujourd'hui. Hein. Ce n'est pas quelque chose d'absolument euh, absolument isolé dans les années 20. Euh, du coup, l'idée, c'est qu'avec ce système-là, en prélevant sur toutes les entreprises, bah, l'État, le, la direction de l'enseignement technique, peut ainsi euh, elle-même flécher ces financements-là sur les formations et donc mutualiser les moyens. C'est-à-dire qu'une entreprise qui, elle-même, ne forme pas, ne finance pas une entreprise, bah, va payer euh, cette taxe qui va donc servir à euh, entretenir une institution, à financer des formations. Par ailleurs, <laughs> alors cette idée-là, donc qui euh, est euh, introduite en 1925 euh, dans la loi de finances, elle suppose d'examiner les demandes d'exonération. Euh, C'est-à-dire que les entreprises vont dire bah, :« Nous on forme, mais euh, du coup on veut être exonéré de la taxe. » Sauf que euh, encore faut-il savoir exactement ce qu'elles font dans ces formations. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de dire :« Moi je forme, et donc euh, et donc je, euh, je ne veux pas. Euh, » Je ne veux pas donc, euh, puisque je finance, je ne veux pas euh, eh bien, euh, payer cette taxe, je, dois, je demande une exonération, mais encore faut-il vérifier ce qu'on fait réellement dans cette formation. C'est-à-dire que très souvent, les compagnies des mines, par exemple, vont demander des exonérations dans les années 20, sauf que la formation qu'elles donnent, c'est un enseignement primaire, euh, ce n'est pas du tout une formation technique. Hein. Alors c'est évidemment nécessaire, c'est important, mais elle n'a pas le droit à l'exonération pour autant. Qui va devoir euh, vérifier et statuer sur ces exonérations bah, Ce sont les comités départementaux de l'enseignement technique euh, qui ont été créés euh, en 1911. Et dans ces comités départementaux, bah, ce sont nos inspecteurs bénévoles. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec des inspecteurs bénévoles qui sont amenés à statuer pour l'administration sur des demandes d'exonération. Alors ça peut amener à des situations un petit peu particulières quand on a des inspecteurs départementaux qui sont ingénieurs dans les compagnies des mines et qui statuent sur les demandes d'exonération de ces compagnies des mines. Euh, voilà, on a des cas où les exonérations, on ne sait pas spécialement si elles sont réellement fondées ou pas, c'est assez euh, discutable. c'est pas propre aux compagnies des mines, hein, bien entendu. Euh, mais donc, euh, le problème aussi, c'est un problème de charge de travail. C'est-à-dire qu'on a des inspecteurs bénévoles qui se retrouvent avec des demandes d'exonération, c'est extrêmement lourd comme dossier à instruire. Euh, et donc, il y a là euh, un système qui, euh, certes, apporte un financement supplémentaire à l'enseignement technique qui va permettre un développement, on va pouvoir construire quelques établissements supplémentaires, etc., mais qui euh, présente aussi ses limites. Du coup, euh, à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale, on va transformer ce système et on va euh, abandonner ce système de bénévolat sous le nom d'inspecteurs départementaux de l'enseignement technique, on va créer les conseillers de l'enseignement technique, conseillers qui sont donc, en tant que conseillers, euh, qui ne sont pas non plus rétribués, mais qui sont seulement des conseillers, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas à gérer l'administration le, de l'enseignement technique. Et on crée par ailleurs une fonction qui s'appelle les inspecteurs principaux de l'enseignement technique. Donc ces inspecteurs principaux en 1946, ces inspecteurs principaux euh, vont reprendre ces attributions-là, mais eux sont des fonctionnaires, euh, eux sont rémunérés pour euh, décider aussi ces questions d'exonération, par exemple. Donc euh, finalement, on a un système, là, on voit bien que c'est une même fonction d'inspection. Désignent en réalité des choses très différentes, selon qu'on est fonctionnaire ou selon qu'on est bénévole, selon qu'on s'occupe de, des exonérations ou qu'on qu ne s'en occupe plus après 1946 pour les conseillers de l'enseignement technique. Mais on voit bien que dans les deux cas, il euh, y a un rôle tout à fait majeur. C'est-à-dire que ces inspecteurs, ils ont un rôle pour euh, décider si telle formation euh, doit continuer, si il convient de demander une réforme pour accorder l'exonération. Ça va être le cas dans les années 30, puisqu'on crée. Le titre d'ingénieur dans les années 1930, euh, sauf que des formations qui prétendent délivrer des titres d'ingénieur délivrent des formations qui ne sont pas au niveau pour développer un titre d'ingénieur. Et donc ces inspecteurs vont dire bah, non, on ne peut pas vous accorder d'exonération, on ne peut même pas vous accorder, ça ce n'est pas les inspecteurs, c'est la commission sur le titre d'ingénieur, on ne peut pas vous accorder le titre d'ingénieur puisque votre formation est beaucoup trop générale ou beaucoup trop euh, limitée pour former véritablement des ingénieurs. Donc, on a parmi ces promoteurs de l'enseignement technique, promoteur, vous voyez que j'emploie le terme de manière très très large, euh, une fonction décisive d'encouragement à cet enseignement euh, et de définition de cet enseignement. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, bah, on finit par euh, normaliser un petit peu ce que l'on entend par enseignement technique, ou ce que l'on doit entendre par enseignement technique. On définit aussi ce que l'on attend des institutions en termes de formation, en termes de niveau de formation, en termes de contenu de formation. Et donc, de ce point de vue-là, passer par les acteurs permet de contourner un petit peu ce que l'on pourrait... C'est-à-dire qu'une même école, par exemple, si on prend une école de formation d'ingénieur, elle n'a pas le même sens, elle ne délivre pas des formations du même niveau avant le titre d'ingénieur. 1934 ou après, euh, elle délivre pas forcément la même formation avant d'avoir une exonération et après de l'avoir eue parce qu'elle a pu être conduite à transformer sa formation pour bénéficier de l'exonération. Donc il faut se méfier. Vous voyez, l'intérêt c'est que passer par les acteurs permet de contourner un petit peu une lecture institutionnelle. Si on lit par les institutions, on a l'impression que c'est relativement linéaire, relativement, euh, alors que là, euh, on est quand même sur quelque chose de euh, sans doute beaucoup plus complexe, euh, me semble-t-il. Alors, cette approche par les inspecteurs dont, 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 que je vous ai présentée rapidement, on peut aussi euh, l'aborder par une autre catégorie d'acteurs, évidemment tout à fait, tout à fait majeure, c'est celle des professeurs de l'enseignement technique et professionnel. Ici, sur euh, ces, euh, ces professeurs, les recherches sont davantage engagées, euh, me semble-t-il, que sur les inspecteurs. On sait davantage de choses, quand même, de la formation pour l'enseignement technique et professionnel. En partant de l'idée qu euh, que la généalogie de, de, de ces formations permet d'identifier plusieurs trajectoires, deux puis trois en réalité. La première, euh, en gros, les premiers efforts de formation de professeurs pour l'enseignement technique, c'est l'école normale de l'enseignement technique, qui est créée en 1912. Comme je vous l'ai indiqué, alors c'est euh, en partie faux puisque cette école, en réalité, elle est constituée en 1912 à partir de sections normales qui elle existaient depuis 1891. C'est-à-dire qu'on a réuni des choses qui existaient déjà dans une seule école qui a pour but bah, de faire quoi De faire la même chose que ce qui existe déjà pour les écoles normales d'instituteurs à l'époque, qui existe aussi pour les écoles euh, normales supérieures à l'époque. C'est-à-dire qu'on voudrait que l'enseignement technique ait aussi son école pour former des professeurs. Euh, cette école, c'est celle qui est l'ancêtre de l'École normale supérieure de Cachan euh, aujourd'hui, euh, de l'ENS Cachan. Euh, elle a changé de nom plusieurs fois hein, École normale de l'enseignement technique en 1912, euh, école, euh, école normale supérieure de l'enseignement technique ensuite, et à partir de, de 1985, je crois, euh, École euh, normale supérieure de Cachan. Ces transformations du nom. Vous avez compris l'idée, hein, c'est qu'elle euh, masque aussi les transformations du niveau de formation et de la destination même de cet établissement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le NS Cachan ne forme plus euh, directement, ou, ou pas exclusivement loin de là, euh, des euh, professeurs pour euh, les sections euh, technologiques euh, ou euh, pour les lycées professionnels. Euh, elle forme beaucoup plus de chercheurs, euh, en réalité, qu'autre euh, que, que, qu chose. Mais. Elle a été créée, elle a été conçue pour former des professeurs, alors essentiellement des professeurs pour un type d'établissement que je n'ai pas encore cité, qui s'appelle les écoles pratiques de commerce et d'industrie. Écoles pratiques de commerce et d'industrie qui ont été créées en 1892, qui ont été transformées pendant le régime de Vichy, essentiellement en lycée techniques, euh, et donc essentiellement au début, hein, c'est bien euh, cette idée-là, c'est de former des professeurs pour les sections commerciales et industrielles des écoles euh, pratiques de commerce et d'industrie. Avec ces sections normales, on peut considérer qu'en gros il y a une formation depuis les années 1890 pour ces professeurs, euh, formation en deux ans euh, de professeurs. D'ailleurs, il faut aussi le noter, on forme aussi bien des hommes que des femmes assez tôt dans ces dans sections normales, et l'école nationale, l'école normale, pardon, de l'enseignement technique en 1912, va avoir des sections mixtes assez relativement tôt, c'est une de ses particularités, euh, par rapport à d'autres euh, établissements. Mais on voit bien qu'elle est précaire, en 1912, on crée certes cette école normale de l'enseignement technique à Paris, mais en fait elle est hébergée par l'école des arts et métiers, c'est pas une école qui dispose de ses propres bâtiments, elle va se construire progressivement avec des effectifs modestes, on est de de 20 à 30 élèves par an pour toute la France euh, en 1912, ce qui n'est pas considérable, ça va croître euh, progressivement. L'autre euh, généalogie, l'autre type d'école est créé beaucoup plus tard, euh, à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale, ce sont les ENNA, les écoles normales nationales d'apprentissage. Et donc là, on est sur, un autre, euh, sur une autre structure avec ces ENNA. Qui ont pour but de fournir des professeurs, non plus pour les lycées techniques cette fois-ci, mais pour les centres d'apprentissage. Centres d'apprentissage qui ont été créés à partir de 1938-39, qui ont été pérennisés par Vichy avec d'autres finalités, qui ont été repris finalement à la Libération en changeant le nom. On était sur des, sur des CET, on transforme ça en centre d'apprentissage. Mais. En fait, ces centres d'apprentissage ont connu un succès euh, alors un peu compliqué à expliquer. Hein. Ils ont été créés dans l'urgence en 1939, pendant la mobilisation. Finalement, ils ont été pérennisés alors qu'initialement, on savait pas trop quoi en faire. Sauf qu'on se retrouve en 1944 avec 850 établissements en France, euh, dont on se demande bien ce qu'on va faire et dont on se dit que ce serait dommage de les fermer euh, parce qu'ils assurent une formation technique quand même relativement importante pour les ouvriers. Et donc, si on décide de ne pas les fermer, bah, il faut former des professeurs pour ces écoles normales nationales de l'apprentissage. On en crée quatre de ces écoles en France, euh, puis cinq, euh, une cinquième vient, vient s'y ajouter. Ces écoles, euh, donc pour la formation des professeurs, développent une réflexion intense, originale, euh, pour définir notamment un enseignement général adapté aux contraintes de la formation professionnelle. Je vous l'ai euh, repris, euh, repris ici. Euh, les professeurs de NNR en 1949 écrivent L'enseignement technique répond à une conception élevée de l'homme, du travailleur et du citoyen. On est dans le contexte aussi, dans les années précédentes, du plan Langevin-Wallon, euh, qui réfléchit euh, et qui accorde une grande place à la formation technique euh, en lien avec l'ensemble du système scolaire. Alors, ce plan n'aboutit pas, euh, vous le savez sans doute, euh, ce plan Langevin-Wallon, mais. Euh, néanmoins, les réflexions euh, perdurent et ces ENNA vont former des professeurs euh, jusque dans les années 80, avec euh, quelques spécificités, par exemple la formation de, de professeurs de psychopédagogie euh, dans ces ENNA. Euh, C'est-à-dire qu'on a à côté de l'école normale de l'enseignement technique, devenue N7, euh, on a cette filière de l'ENNA qui euh, va alimenter, si j'ose dire, en euh, formateur, euh, en professeur, les euh, centres d'apprentissage progressivement transformés euh, en euh, d'autres établissements. Je vous passe la généalogie complexe des euh, établissements puisqu'ils changent de nom à peu près tous les dix ans euh, depuis 1945. Euh, C'est un peu compliqué à vous expliquer. Ce qu'il faut en comprendre, c'est qu'avant euh, l'intégration dans les IUFM en 1991, il y a donc une formation des professeurs du technique qui est spécifique euh, aussi bien à euh, lens que qu'avec euh, ces ENNA. Il faudrait y rajouter encore une autre euh, composante avec euh, des centres de formation euh, qui euh, sont créés dans les années 50 et 60 euh, et qui vont être euh, tous fusionnés progressivement. Dans, dans les UFM, ce qui a en fait occasionné pas mal de travaux, puisque là, ce que je peux vous dire de tout ça, c'est grâce à un ensemble de recherches qui ont déjà été menées sur ces questions. Pourquoi elles ont été menées Il faut toujours s'interroger sur l'origine de ces recherches. Pourquoi on s'est intéressé à cette formation des professeurs du technique bah, On s'y est intéressé globalement, surtout dans les années 90. Pourquoi bah, En réaction au choc que ça a représenté, cette intégration, c'est-à-dire que depuis un siècle, on avait une formation qui était à part qui n'étaient pas mêlés avec les autres professeurs, avec les autres formateurs. Euh, à partir de 1991, on intègre cela dans les UFM. Donc on, la formation finalement euh, se fait sur le même lieu euh, que euh, pour les professeurs du primaire, du secondaire. Euh, et euh, par conséquent, il y a cette réflexion sur est-ce qu'il y a une identité qui peut se maintenir pour ces professeurs de l'enseignement technique et professionnel, alors même que leur formation maintenant n'est plus spécifique n'est plus euh, à part et donc la réflexion est toujours la même aujourd'hui hein. on a une formation qui euh, est intégrée euh, qui est intégrée aux autres est-ce qui a accompagné une normalisation du niveau de formation une, du niveau de diplôme pour les professeurs du technique ou pour les professeurs des lycées professionnels euh, donc cette euh, cette évolution là elle a beaucoup questionné et elle a généré un certain nombre de travaux alors des travaux euh, animés par euh, par Vincent Troget, par Annie Godin-Bolo, euh, bref, on a là tout un ensemble de travaux qui ont été réalisés autour de cette idée, est-ce qu'on a encore une identité spécifique pour les professeurs de lycée professionnel par exemple, alors même que cette formation, elle est devenue, euh, elle s'est intégrée, elle s'est fondue, si j'ose dire, dans euh, une formation plus, plus générale euh, des professeurs. Alors, cette, cette réflexion, donc, euh, elle, euh, elle aboutit à un ensemble de travaux, mais qui sont bien vus depuis les années 90. Et ce qui se réalise actuellement, euh, c'est d'essayer de suivre depuis ses débuts cette formation, c'est-à-dire pas seulement euh, la transformation et les conséquences de cette transformation qui s'est opérée à partir du début des années 90, c'est-à-dire d'essayer de bien recontextualiser les choses. Alors, il y a deux façons de le faire. La première qui a été engagée, c'est de travailler sur l'origine de l'école normale supérieure de Cachan. Je vous ai cité, euh, non, je ne sais pas citer l'ouvrage. Euh, on a fêté, euh, célébré euh, en 2012 le centenaire de cette école normale de l'enseignement technique. Et à cette occasion, l'école normale supérieure de Cachan a voulu faire l'histoire, encourager l'histoire de son établissement. Et donc, il y a eu un, un gros colloque international qui a eu lieu en 2012, qui a donné lieu à un ouvrage qui essaie de s'intéresser à tout ce siècle-là, une cinquantaine de chercheurs s'y sont, sont intéressés, se sont intéressés par exemple aussi à des choses qu'on ignorait totalement, c'est-à-dire que cette école, elle a pu avoir des répliques dans d'autres pays. Au Cameroun, on a une école normale de l'enseignement technique qui a été créée, et qui est une forme de réplique, alors évidemment, qui a ses particularités. Bref, comment ces références-là, puisque c'est devenu un pôle de référence, cette école, dans les années après la Deuxième Guerre mondiale, comment elle a pu avoir des résonances dans d'autres pays comment elle a pu influer, influencer d'autres types de formations. Donc ici, si on s'intéresse aux conditions de production de la recherche, on s'est intéressé à cette école précisément parce qu'on avait cette idée du centenaire et que c'était l'occasion, finalement, de, de valoriser un petit peu cette, cette formation, cette filière de formation. De professeurs. Ce travail s'est continué. Il y a toujours un groupe de travail qui qui fonctionne aujourd'hui, notamment en utilisant, par exemple, les travaux de l'association des anciens élèves de cette école de Cachan. Il se trouve que cette école cette école a fondé une association très tôt, et donc on a les bulletins. On est en train de travailler en ce moment sur la numérisation des bulletins et l'exploitation de ces bulletins pour essayer d'identifier qui sont les élèves de cette école, d'où ils viennent ces élèves. Qui vont, font, qui vont animer cette école normale de l'enseignement technique, qui vont la fréquenter, et quelles sont leurs carrières Est-ce que leurs carrières sont différentes par rapport à ceux qui sont déjà dans les écoles pratiques de commerce et d'industrie dont j'ai parlé, mais qui ne sont pas passés par cette école, qui ont été recrutés, qui sont d'anciens instituteurs, par exemple, très souvent euh, Quelles sont les carrières donc, de, ces, de ces élèves de l'école normale de l'enseignement technique c'est un travail en cours. Hein. Euh, moi, je suis en train de travailler actuellement sur le devenir professionnel de, des élèves de cette période 1891-1912, où il n'y a pas encore d'école, mais il y a déjà des sections normales qui sont rattachées à d'autres établissements. Donc on forme déjà des professeurs. J'en ai rassemblé 300 pour l'instant. Euh, donc je cherche euh, leurs traces à ces 300, euh, à ces 300 élèves. Ce qu'on constate, c'est le premier résultat, hein, ce n'est pas fini. Euh, ce que l'on constate pour l'instant, c'est qu'en réalité, ces professeurs-là, ils deviennent tous chefs d'établissement à 70% quasiment, euh, y compris les femmes. Mais pourquoi Parce qu'on a besoin de cadres pour cet enseignement technique. On est dans un moment où on institutionnalise l'enseignement technique, on a besoin de cadres pour piloter euh, localement. Et donc, euh, comme ce sont à peu près les seuls qui sont formés systématiquement en école, euh, qui ont un diplôme, etc., bah, ils vont très souvent prendre des responsabilités. Certains vont devenir aussi inspecteurs, inspecteurs généraux. Euh, donc, on a des cas assez intéressants à suivre en termes de carrière pour essayer de comprendre, là aussi, comment se développe cet enseignement technique hein, en, passant par, euh, en passant par les acteurs. De même, du côté des ENNA, alors là, on a un petit peu moins de travaux récents sur ces questions, mais euh, il y a une thèse qui va être soutenue euh, dans deux, trois mois, je pense, sur l'enseignement du français, par exemple, dans les ENNA, euh, depuis 1945. Donc là aussi, on a des travaux qui, euh, qui sont en cours et qui montrent qu'il y a des choses à essayer de, 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 de creuser pour comprendre comment on adapte. Parce que toute la difficulté des ENNA, donc de formation pour les centres d'apprentissage, puis euh, les, euh, les, les collèges d'enseignement technique, euh, toute la difficulté, c'est de savoir quel est leur niveau réel à ces centres d'apprentissage. Ils ont été créés dans des situations extrêmement précaires pendant la Deuxième Guerre mondiale, euh, avec des locaux de fortune, avec des moyens euh, de fortune, mais quelle formation on y dispense réellement Est-ce que c'est une formation de niveau primaire Est-ce que c'est une formation de niveau secondaire En passant par les disciplines, par exemple, on peut essayer de voir euh, qu'est-ce qu'on y enseigne euh, réellement. Or, pour le français, on voit bien qu'au moment où on est en train d'essayer d'élever les centres d'apprentissage progressivement, pour qu'ils atteignent un niveau secondaire, on voit bien que le niveau de l'enseignement du français, en réalité, reste assez largement primaire, ce qui n'est pas totalement euh, étonnant, mais ce qui se confirme en étudiant précisément euh, le niveau des épreuves qui sont euh, proposées, etc. Euh, donc, plusieurs filières. Hein, ici, on voit bien qu'à nouveau, en passant par les acteurs, on peut essayer de saisir un petit peu ces transformations et les enjeux de ces transformations. Troisième catégorie, les élèves. Euh, les élèves. Euh, donc bien souvent, on ne sait pas grand-chose. En fait, très paradoxalement, euh, en histoire de l'éducation, euh, c'est-à-dire qu'on sait beaucoup de choses d'autres acteurs, mais les élèves, c'est pas forcément ceux qu'on connaît les mieux. Alors on les connaît beaucoup mieux euh, grâce à les travaux de, de sociologues. C'est pas mon voisin qui, qui me démentira. Euh, mais euh, sur les périodes un petit peu plus anciennes, euh, qui sont les élèves de l'enseignement technique Je vous ai dit des effectifs globalement modestes, mais encore faut-il savoir qui sont-ils Est-ce que un petit peu de manière problématiser les choses. Euh, est-ce que ces élèves de l'enseignement technique sont inscrits dans une logique de promotion sociale dès le début du XXe siècle ou pas Est-ce que cette idée qu'on qu connaît pour les années 50-60, c'est-à-dire l'enseignement technique comme facteur d'élévation de promotion sociale, de promotion ouvrière, éventuellement, euh, est-ce que ça se vérifie pour les périodes antérieures euh, ou pas. Alors évidemment, la question est beaucoup trop large, hein, il faut, il faut la, la, la préciser un petit peu, mais cette difficulté générale en histoire de l'éducation à approcher les élèves, euh, elle peut être, me semble-t-il, contournée pour essayer euh, de, euh, non seulement d'approcher quantitativement dans chaque établissement, comment ça progresse, ses effectifs, et c'est assez contrasté hein, suivant, hein, suivant les types d'établissements, Globalement, on sait de manière générale qu'on a des effectifs modestes. En gros, on considère qu'en 1900, euh, environ 90% d'une classe d'âge euh, arrive sur le marché du travail sans autre formation que l'école primaire, euh, quand ils ont fréquenté systématiquement l'école primaire, ce qui n'est pas toujours le cas. Mais euh, ça veut dire qu'une infime minorité est formée, aussi bien dans le secondaire que dans des établissements d'enseignement technique. Mais qui sont-ils, ces élèves-là euh, ces premiers élèves des établissements de l'enseignement technique, comment on comprend cette lente croissance dans la première moitié du XXe siècle, croissance du nombre d'établissements mais pas forcément énorme croissance au niveau des effectifs, comment on comprend aussi l'accélération à partir des années 40, 50, 60, euh, évidemment on sait qu'on a l'unification du système scolaire, la massification du système scolaire, donc évidemment un nombre d'élèves qui s'accroît euh, très très largement. Mais euh, on voit bien que le, le déséquilibre ou la perception un petit peu compliquée qu'on en a, c'est qu'encore aujourd'hui, on a aujourd'hui un nombre très significatif de lycéens qui sont scolarisés dans des filières technologiques ou professionnelles. Euh, alors que généralement, si vous regardez la télé, quand vous voyez les reportages sur les lycéens qui préparent le bac, bah, c'est que les filières générales hein, qui sont représentées les trois quarts du temps. Euh, et encore trois quarts, je pense que je suis modeste. Donc euh, il faut s'interroger aussi là-dessus. C'est-à-dire que comment on a ce, ce prisme un petit peu déformant sur cette histoire, euh, alors même qu'il y a bien longtemps qu'on a des élèves scolarisés dans l'enseignement technique, même s'ils n'étaient pas forcément pendant longtemps très nombreux, comment on peut essayer de les euh, identifier. Alors pour ma part, euh, j'ai essayé euh, pour l'instant euh, de les aborder de deux façons. La première façon que j'ai essayé de, 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 de valoriser, c'est euh, approcher les boursiers de l'enseignement technique. C'est-à-dire que j'ai essayé à partir des dossiers de bourse de reconstituer euh, finalement d'où ils viennent, ces, ces élèves. Alors C'était un travail que, que, que j'ai essayé de faire dans la thèse. Euh, on a des sources extrêmement limitées de ce point de vue, mais on a quand même des sources. Pour le département du Pas-de-Calais, euh, par exemple, pour les écoles pratiques de commerce et d'industrie dont je parlais, euh, j'ai pu retrouver 900 dossiers de bourse. Euh, et en gros, on, considère que dans les, on peut considérer que dans les années 20 et dans les années 30, ce sont des élèves euh, qui euh, ont euh, des origines sociales extrêmement modestes, hein, qui sont présents. Alors évidemment, ils sont boursiers, donc ça déforme un petit peu, mais ce qu'on constate en réalité, c'est que les boursiers représentent sans doute plus de 60% des élèves de ces écoles. Donc on a quand même une idée relativement précise de euh, qui sont ces élèves. Euh Très souvent dans ces dossiers de bourse, on a des élèves qui n'ont qu'un parent pour diverses raisons, qui n'ont aussi qu'un parent qui travaille, donc il y a une source de revenus dans la famille. Donc on a des élèves avec des origines sociales relativement modestes, globalement, que ce soit dans le bassin minier ou sur le littoral, c'est à peu près pareil, qui font donc des dossiers, qui proposent des dossiers, on peut quand même dégager un certain nombre d'enseignements à partir de ces dossiers de bourse qui sont examinés hein, ces dossiers de bourses qui sont examinés par euh, les autorités départementales pour décider qui on peut admettre ou qui on ne peut pas admettre euh, donc on voit se dessiner quand même assez tôt dès les années 20 dès les années 30 une politique qui vise à promouvoir des élèves euh, volontaires euh, manifestement hein, parce que c'est pas neutre à l'époque de s'engager dans des études au-delà du primaire alors même que si on a des besoins euh, financier dans la famille, si on est en difficulté, bah, très souvent on est envoyé tout de suite au travail, euh, on ne peut pas se priver d'un revenu supplémentaire dans le foyer. Euh, Ce n'est pas neutre à l'époque hein, de s'engager comme ça et dire ⁇ bah non, je vais prolonger ma scolarité au-delà de l'âge euh, limite euh, de la scolarité obligatoire euh, ⁇ Donc c'est très intéressant de passer par ces dossiers de, de bourse. Le problème, c'est qu'on n'en a pas pour, forcément pour tous les départements. Par exemple, j'ai pu les retrouver pour le Pas-de-Calais, pour le nord de la France, on les a plus pour le département du nord. Donc on ne peut pas toujours faire cette comparaison qui serait euh, extrêmement intéressante. Euh, et puis surtout, il faut différencier suivant les établissements. On peut retrouver aussi pour les écoles d'arts et métiers, je l'ai fait euh, parallèlement, pour l'école des arts et métiers de Lille, par exemple, euh, j'ai pu retrouver 800 dossiers euh, de quelques promotions euh, à, partir de, à partir de 1900. Ce qu'on constate, c'est quoi bah, C'est que l'ensemble des élèves des écoles d'arts et métiers, euh, 95% à peu près, sont titulaires d'une bourse. Euh, mais une bourse qui peut être partielle. C'est-à-dire qu'on a des fractions de bourses à l'époque. Tel élève peut avoir un quart de bourse délivré par la compagnie du chemin de fer du Nord, un autre quart délivré par le département du Nord, un troisième quart délivré par, euh, je sais pas, la mairie de Lille, par exemple, etc. Alors, ça rend très compliqué à suivre euh, dans, les, dans les dossiers, mais c'est assez intéressant de voir que, en réalité, il n'y a quasiment aucun élève qui se finance intégralement tout seul dans ses études dans les écoles d'arts et métiers. C'est-à-dire qu'il y a une vraie volonté derrière euh, des collectivités ou des entreprises, y a des entreprises qui financent, de promouvoir ces éléments-là, et on peut le repérer à travers euh, ces, euh, ces, dossiers, euh, ces dossiers de bourse. Pour, alors, moi, je les ai étudiés pour ces années-là, hein, en gros, pour les années 1900, j'ai... Euh, promo 1912, la promo 1936, donc je peux faire des comparaisons, je n'ai pas toutes les promotions, donc je ne peux pas non plus suivre ça très, euh, de manière très fine. Une deuxième façon euh, d'aborder euh, les choses euh, que j'essaie de, 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 de mener euh, depuis quelque temps, euh, c'est d'essayer d'approcher de manière très différente, c'est par la culture matérielle. Alors qu'est-ce que ça veut dire, approcher les choses par la, par la culture matérielle euh, bah, C'est euh, essayer de euh, repérer les élèves dans leur contexte dans l'établissement, euh, au travail, finalement. Euh, Essayez de comprendre quel est leur travail, parce que pour l'instant, je ne vous ai pas dit grand-chose du travail de ces élèves, ni du travail des professeurs, d'ailleurs, tout simplement parce que je n'en sais pas grand-chose. Euh, on a peu de documents, et c'est une autre difficulté. Hein. Une première difficulté de l'histoire de l'éducation, c'est de connaître les élèves, une deuxième, c'est celle de rentrer dans la classe, euh, et de savoir ce qu'on y fait réellement dans cette classe or ici il se trouve qu'on a un, un document euh, que, que je vais vous montrer euh, qui est un petit film qui a été réalisé en 1931 et qui nous permet de voir les élèves au travail ce qui est suffisamment rare pour être pour être signalé et donc je vais vous en montrer Quelques images. Alors, j'ai toujours des scrupules à parler sur les images. En même temps, comme c'est un film muet, euh, je ne contrarie pas le son. Euh, donc, euh, un film de 1931, et vous voyez qu'il a été réalisé euh, sous la direction d'un inspecteur général de l'enseignement technique. Donc, la volonté, clairement, c'est la direction de l'enseignement technique qui veut promouvoir ces établissements. C'est-à-dire qu'il ne faut pas considérer que c'est quelque chose de neutre. Hein. C'est euh, très orienté. Il s'agit d'encourager euh, les parents à fréquenter l'enseignement technique et professionnel. J'espère que vous voyez bien. Euh, alors c'est un film, euh, donc euh, je l'ai dit de, de, de 1931, qui dure euh, 26 minutes au total. Je ne vais pas vous passer les 26 minutes, euh, mais il euh, y a quelques éléments intéressants. Alors outre la présentation générale, on est là sur un type d'établissement dont je n'ai pas parlé depuis tout à l'heure. Ce sont les écoles nationales professionnelles. Euh, en nombre très limité, euh, au début elles ont été créées à partir des années 1880, mais on en a une dans le Nord extrêmement importante, c'est l'école nationale professionnelle d'Armentières. Actuel lycée Gustave Eiffel, euh, établissement tout à fait euh, majeur, et tout à fait important, que vous voyez parce que précisément cette vidéo, elle est consacrée, elle, est, elle a été tournée à Armentières, dans euh, cet établissement. Alors en 1931, on a développé quand même le nombre de ces établissements. Vous voyez qu'ils sont très didactiques hein, dans, ce, dans ce petit film, puisque puisqu'ils font une petite carte euh, des, euh, des établissements. Voilà, vous voyez que les trois premières, c'est Armentières, Vierzon et Voiron. Mais d'autres ont été euh, ouvertes ou euh, transformées dans les, années, euh, dans les années 20. Alors, quel est l'intérêt, en termes de recherche, de ce type de vidéo bah, C'est de voir euh, les élèves au travail, de rentrer dans l'établissement, euh, et donc de voir, ne serait-ce que sous un angle d'histoire des techniques, euh, les élèves euh, devant l'établi, devant euh, la machine, comment on travaille, de voir aussi où sont les enseignants, les chefs d'atelier, par exemple. Alors, on les voit assez peu dans ce film-là. Là, vous êtes dans le bureau du directeur. Euh, de l'établissement qui donne ses ordres. Donc on voit euh, ici, on peut suivre assez précisément ce qui se fait dans l'établissement et pour le coup, c'est quelque chose d'assez rare. Hein, ce type de document, on n'en a pas énormément, euh, on en a même très très peu, qui permettent avant 1940 de savoir ce qui se passe dans les établissements. D'un point de vue de recherche, quel est l'intérêt aussi bah, L'intérêt, c'est de pouvoir croiser avec les souvenirs d'anciens élèves, par exemple. Hein. Euh, si on essaie de constituer des sources orales, euh, de recueillir des souvenirs, on peut croiser avec ce qu'on voit aussi dans ce film-là, ce qui est particulièrement intéressant. Alors c'est la seule scène ici euh, qui euh, est euh, consacrée à un lieu de l'école hors atelier. C'est-à-dire que ce qu'on voit aussi, c'est que dans cette volonté de promouvoir l'établissement, on va montrer essentiellement la part technique. Or, il y a aussi des salles de cours, des salles de classe, euh, j'allais dire entre guillemets normales, -à -dire, des, des, mais ça, on les montre très très peu euh, dans ce film, voire quasiment pas. C'est-à-dire que dans un but de propagande pour l'enseignement technique, le but, c'est bien d'insister sur la vocation technique et la vocation professionnelle de ce type euh, d'établissement. Et donc, le film est structuré d'une manière assez, assez claire, hein, c'est-à-dire qu'on présente successivement les différents ateliers, mais on ne présente pas les, les salles de classe. Euh, ce qui est euh, assez intéressant à, à remarquer et assez, euh, assez révélateur des finalités de ce type de film et de ce type d'établissement. C'est-à-dire qu'on le pense comme, on veut le présenter, cet établissement, comme un établissement de formation professionnelle, euh, mais on nie totalement la part d'instruction générale. Or, il y a une formation générale, hein, il y a des enseignements généraux dans ces établissements. Le but, c'est bien de montrer ici qu'on est presque comme à l'usine. Euh, très clairement, euh, si je vous avais montré, sans vous montrer le début, si je vous avais montré ces images-là, il euh, n'y a pas grand chose qui vous permet de voir qu'on n'est pas, euh, qu pas dans une usine. Hein. Y a même très très peu de choses si ce n'est qu'à un moment on va voir quelqu'un qui vient euh, donner quelques, quelques conseils dans la formation, c'est-à-dire un chef, euh, chef d'atelier. Alors, l'atelier de menuiserie, je vous passe cet atelier de menuiserie parce que c'est assez intéressant ici de voir comment il, est, comment il est présenté. Donc, on est là sur des archives qui sont en ligne pour ce, cette vidéo-là. Elle vient de l'Institut national audiovisuel. Hein. Vous pouvez la retrouver sans difficulté sur Internet. Euh... Là aussi, on est dans un atelier. Alors, ce qui est assez significatif, c'est qu'on voit assez peu. Et vous voyez, là, c'est une des rares images où on voit. Le chef d'atelier ou le professeur circulait parmi les élèves, hein, vous l'avez au centre. Mais c'est assez rare dans ce, type, euh, dans ce type de vidéo de euh, voir les enseignants. C'est bien le travail des élèves qui est valorisé, euh, ce qui est euh, évidemment, euh, évidemment très intéressant. Les priorités donc, euh, dont témoigne la structure du film sont nettes l'enseignement technique. Euh, est un enseignement professionnel, ses conditions matérielles sont proches de l'atelier industriel, je l'ai dit, je le répète, et euh, l'idée c'est bien qu'il y a un rôle pédagogique euh, du travail sur les machines et les outils. Euh, ici, euh, pour le chercheur, c'est assez intéressant de voir qu'on essaie de légitimer cet enseignement technique par la pratique, par la technique, par le geste. Euh, et là, il y a plein de choses à faire de ce point de vue en termes de recherche, évidemment en élargissant, en comparant avec d'autres sources du même genre, ou des images fixes, hein, plutôt que des images animées, qui peuvent permettre là aussi d'avoir quelques, euh, quelques éléments. Alors je conclue mon propos. Euh, sur, sur ces images, euh, simplement pour montrer donc euh, à nouveau hein, ce rôle des acteurs. Il me semble que ce qui est intéressant ici, c'est bien de dépasser la vision euh, institutionnelle qu'on a eue euh, depuis, euh, depuis 20 ans en histoire sur cet enseignement technique pour essayer justement de repérer l'individu. Euh, à tel point d'ailleurs, hein, moi j'ai travaillé essentiellement sur l'institutionnel euh, dans, dans le cadre de ma thèse, qu'il y a une certaine. Euh, voilà, quand on voit les élèves s'animer au bout de 3 ou 4 ans de travaux, il euh, euh, y a quand même une certaine émotion à voir les élèves commencer à bouger sur une source, hein, puisque c'est une source qui n'était pas disponible auparavant. Euh, c'est assez intéressant, il me semble, et on a là euh, des éléments qui peuvent permettre de renouveler un petit peu la perception qu'on peut avoir de cet enseignement technique et professionnel. C'est tout à fait nécessaire, tout à fait indispensable, à la fois pour comprendre aujourd'hui la situation de l'enseignement technique et professionnel, mais pour comprendre aussi le point de vue ou les points de vue qu'il peut y avoir aujourd'hui sur cet enseignement, et pour essayer de, de voir d'où viennent ces points de vue, euh, d'où vient cette situation aujourd'hui, et surtout ne pas la généraliser euh, trop, euh, trop rapidement. Voilà, je vous remercie.